Il est 6h. Les premières infos de votre journée, Marie, et le procès d'un Montpelliérain fiché S. Jugé pour apologie du terrorisme. 6h, 9h. France Bleu Hérault Matin. Exactement, en même temps, pour nous la sécurité. Sommes en guerre, en tout cas, c'est Manuel Valls qui le dit. Hein, bien sûr, voilà. Claire. Bien sûr, Claire, et je suis. Moutarde. Philippe Sorel. Bien sûr, Claire Moutarde. 7h27, nouveau rendez-vous de France Bleu Hérault cette rentrée. Ça, c'est Villanova. Ma voisine, Nadège, si tu lui confies un secret, alors là, tu es tranquille. Dans l'heure qui suit, il y a qu'aux cimetières qui sont pas au courant. Je m'appelle Florent, j'ai gagné une place pour aller écouter Yannick Noah. J'ai passé une soirée extraordinaire, on s'est régalé. Chaque jour, démarrez la journée avec Antoine Blin sur France Bleu Hérault. Désormais, chaque jour sur France Bleu Hérault, Léopoldine Dufour nous raconte une petite histoire. Bonjour Léopoldine. Bonjour Antoine. Histoire de cuisine aujourd'hui. Précisément d'une spécialité sétoise que vous avez certainement déjà goûtée, la tielle. Ah ça j'adore. France Bleu Hérault matin. Prenez la parole. Le burkini doit-il être autorisé sur les plages selon vous ? Faut pas faire de ségrégation. Ils sont chez nous, ils sont chez nous. On les a fait venir, on les a, on les garde et puis c'est tout. C'est des gens comme tout le monde, ils ont leurs coutumes comme nous on a nos coutumes. France Bleu Hérault. France Bleu Hérault. Les immanquables du jour. Excusez-moi, mais moi je vous vois très bien, vous, mon cher Antoine, sur un trône en bois en train de manger des cuisses de poulet comme ça à pleine main. Et Agnès, en jante dame, là, à danser avec ses, ses troubadours. 6h, 9h. France Bleu Hérault Matin. S'il vous plaît, je vous demande de vous rapprocher. Je vous demande de vous rapprocher. On va vous présenter dans quelques instants les nouveautés de la grille de France Bleu Hérault, la grille des programmes. Donc je demande à toutes les personnes qui se trouvent à l'extérieur de venir quelques minutes et je vous fais une promesse d'ores et déjà de faire un discours court, ramassé et rythmé. Merci à nos amis de Lady Scott de nous avoir accueillis en musique pour cette présentation de la grille des programmes de France Bleu Hérault pour la saison 2016-2017. Remercier également la plage, la grande plage Bohème avec Elsa Delrieux, Marc Gauthier qui nous ont fait le plaisir de nous solliciter il y a quelques mois pour un beau partenariat qui nous a conduit à de nombreuses animations culturelles sur cette plage pendant tout l'été. Remercier également Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte, de nous accueillir dans sa belle ville de la Grande Motte. Les acteurs politiques et institutionnels, j'en aperçois quelques-uns, Stéphanie pour la ville de Sète, j'aperçois aussi mon ami Christian Baize pour la ville d'Acq, et tous les autres, je ne citerai pas ce soir, mais à qui je pense, sans qui bien, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes. Je voudrais aussi saluer les partenaires de France Bleu Hérault, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous accompagnent tout au long de la saison et ceux qui, grâce à leur soutien, leur accompagnement et leurs interventions, même leurs conseils, nous permettent d'être un peu meilleurs chaque jour. Je remercierai aussi nos confrères de la presse télévisée, radio, la presse écrite, Jean-Pierre Guglielmotte pour Midi Libre que je viens d'apercevoir. De s'intéresser à nous, de s'intéresser à cette grille des programmes et à cette soirée. Et puis, un merci général à l'équipe de France Bleu Hérault, les chargés d'accueil, les agents de gestion, les régisseurs, les animateurs, les journalistes, tous ceux qui font le programme, les chroniqueurs que j'oublie aussi, les intervenants occasionnels qui nous permettent de vous proposer tout au quotidien un programme que nous essayons nous espérons qualitatif. J'insiste sur ce point parce que je voudrais commencer, je vais essayer de faire un discours court et ramassé. Hein. Je voudrais saluer cette action collective parce que l'année qui vient de s'écouler, l'année radiophonique, a été exceptionnelle pour France Bleu Hérault, exceptionnelle en termes de résultats. Retenez bien s'il y a un chiffre et un seul chiffre que je vais vous donner ce soir.
France Bleu Hérault est la radio la plus écoutée du département de l'Hérault entre 6h et midi. C'est une radio qui réunit chaque jour 85 000 auditeurs. Sur quoi repose la qualité de France Bleu Hérault, en tout cas les fondamentaux? Et bien sur ce qu'on entend dans le poste tous les matins, c'est la proximité. Nous sommes en lien direct avec les Héraultais. Nous essayons de proposer une radio positive qui s'intéresse aux valeurs ajoutées du département. Allez-y, c'est quand vous voulez, quel titre? Angelize, c'est tout de suite. Lady Scott ici sur France Bleu Hérault en direct de la Grande Plage Bohème à la Grande Motte. Vincent, alors tu viens de présenter la nouvelle grille de programmation de France Bleu Hérault 2016-2017. Alors que nous réserve France Bleu Hérault de nouveau l'année prochaine? Beaucoup de choses avec des rendez-vous qui vont être facilement identifiables. Un nouveau rendez-vous sur le vin, la culture du vin dans le département de l'Hérault. C'est le samedi de midi à midi et demi. On n'y parle pas que de Mourvèdre et de Syrah. On y parle beaucoup de la culture du vin, de l'histoire du vin, de l'économie du vin, de ceux qui font vivre cette économie aussi. Un autre rendez-vous le dimanche midi, midi et demi autour du littoral, parce qu'il y a une actualité concerne les 87 km de côte. Il y a une grande partie de la population du département qui vit au bord de la mer. Et le littoral ne vit pas que quand il y a des touristes sur les plages l'été. Il y a aussi une activité économique, culturelle, sociale, sur l'arrière-saison. Et c'est aussi, peut-être surtout, à ces gens-là qu'on a décidé de s'intéresser. Alors tu nous as parlé d'une radio qui positivait, d'une radio en pleine expansion. Donc La radio en pleine expansion, ce sont les derniers chiffres des résultats d'audience concernant les radios qui nous l'ont dit, c'est-à-dire que le sondage Médiamétrie paru sur la période septembre 2015-juin 2016 pour le département de l'Hérault nous place en tête de toutes les radios sur le département de l'Hérault de 6h à midi, c'est-à-dire sur le prime time de la radio, ce qui est une performance. Ça veut dire que quand on joue la carte de la proximité, du lien affectif, du service avec les Héraultais, a priori c'est quelque chose qui trouve son répondant du côté des auditeurs. Et le positivisme? Alors le positivisme, c'est qu'on... très important. Voilà, on est entré dans une époque un peu angoissante. Les attentats, du chômage qui continuent, on voit que les élections qui se profile, bien ne suscite pas une confiance absolue de la part et spontanée de la part de la population. Quel rôle peut jouer France Bleu Hérault dans ce contexte-là? Soit se positionner comme les autres radios, c'est-à-dire essayer avec nos moyens de décrire une actualité sombre et insister sur le côté sombre des choses, soit parler de ces actualités, mais insister beaucoup sur le reste, parce que dans le département de l'Hérault, il y a des gens qui sont auteurs d'initiatives extraordinaires, et on fait le choix de braquer nos projecteurs aussi, et de plus en plus sur eux, aussi bien au plan économique, culturel, sportif. Tous les jours, on rencontre des gens extraordinaires dans ce département. France Bleu Hérault se veut la radio qui parle beaucoup de ces gens-là. Et la radio qui rend les gens heureux. C'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est un bien grand mot, parce que le bonheur de l'être humain ne dépend pas que de la radio. Ça participe, c'est un climat, la radio. Vous savez, c'est un poste qu'on a dans sa voiture ou dans sa salle de bain, dans sa cuisine, qui vous accompagne. Vous savez, quand tout de suite, dans les 10 premières secondes, vous percevez le climat d'une radio. Soit on est sur un ton un peu angoissant, sur un ton un peu sérieux. Nous, on veut juste pas trop se prendre au sérieux. Montrer aux gens qui sont derrière le poste qu'au final, on est comme eux. On a les mêmes préoccupations, on a les mêmes angoisses. On se mouille en même temps qu'eux quand on se prend un épisode Simonol sur le crâne. Voilà, on est triste quand le club de rugby de Montpellier ou le club de foot perd. On s'enthousiasme quand il gagne. On est content de voir que tel domaine viticole a remporté le grand prix de la médaille de je sais pas quoi dans le concours à Paris. On est un peu cocardier. Bah écoute, bonne année. Merci. Et merci à vous de vous intéresser à nous, c'est important. 9h-10h. Les experts de France Bleu Hérault. France Bleu Hérault.
Arlette à Ballaruc-les-Bains est avec nous. Bonjour Arlette. Bonjour, bonjour maître. Bonjour Arlette. J'ai ma petite fille qui fait des papiers toute seule, sans tenir au courant, mais ses frères. Mais en tout cas, soyez rassurés, rien de définitif ne pourra être signé chez le notaire sans l'accord de tout le monde. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Héros. C'est ce que je fais moi. Je prends, je mélange des épices moi-même, je mélange du sel, du poivre. Dites donc, il y a une place. C'est quoi ça? Vous êtes à côté d'un clocher, non Brigitte? Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Jusqu'à 12h30, France Bleu Héros midi. Il a inventé, il a créé Lady Scarlett. C'est un parfum pour partie intime. On a Nicole qui est au bout du fil, je crois, une auditrice de France Bleu Héros qui nous a appelé. Bonjour Nicole. Que ce parfum incite à la pratique du cunnilingus. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un échantillon, Nicole? Non, merci. Ah, ben voilà, madame, ça dégonfle. Ah, ben oui. Je vais vous dégonfler, Nicole. Voilà, bon. Chaque jour, à 12h30, France Bleu Héros vient à votre rencontre pour jouer au super-héros. Au super-héros. Bonjour Huguette. Alors bonjour Monsieur Philippe Montet, je m'appelle Huguette. Et non mais on le sait, je viens de le dire. On recommence Huguette, hein. Bougez pas. Alors Henriette, maintenant c'est fait que j'ai. Non, c'est Huguette. Oh. 16h, 19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Héros. Voilà, nous regardons le soleil descendre jusqu'à 19h sur France Bleu Héros. Il y aura des cadeaux, les points trafic évidemment, puisque oui, c'est vrai, là aussi, ça sent la rentrée, notamment dans l'agglo montpelliéraine. Patrick Bruel, bonsoir. Bonsoir. Déjà, Patrick, j'ai envie de vous demander, que s'est-il passé pour vous le 7 mars 90? Ah oui, c'était. J'étais au théâtre Mogador pour revoir Barbara. Et ce jour-là, j'y suis allé avec ma maman et je l'ai présenté à ma mère. Avec France Bleu Héros, on est bien ensemble au pied des pyramides de la Grande Motte. On est bien ensemble.